Yahoo les bonchats, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve du coup pour l'ouverture de 10 gachapons Pokémon. Donc du coup on va avoir 10 gachapons. Je te mets à droite d'abord le code promo du site Candysun pour avoir moins 5% dès ta première commande et c'est utilisable pour chaque commande. Et aussi je vais te mettre l'affiche du site Candysun pour que tu puisses voir les modèles que l'on va avoir aujourd'hui. Sachant que moi je ne me rappelle plus du tout de ce qu'il y a à l'intérieur car ma commande date d'il y a au moins 3 semaines voire même un mois maintenant. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc du coup c'est parti avec une gachapon rouge. Hop là, on va faire attention à casser les ongles. Ça me ferait bien chier. Donc du coup ça a été fait par Tommy comme on peut le voir. On a du coup Flamiaous, Otaquin, Brindibou et Pikachu. Donc ouais bah là on va pas tout voir à mon avis. Hop là. Donc du coup on peut avoir Pikachu, Brindibou, Flamiaous, Otaquin. Ça si j'ai bien compris c'est une nouvelle forme de Pokémon qui fait en même temps Pokédex. Je suis désolée franchement là je les connais absolument pas encore les trois premières générations. Je peux connaître les noms mais là je n'ai voilà, j'avais pas préparé la vidéo à l'avance. Donc un petit Pokémon qui est vraiment trop mignon, on dirait un petit hamster, il est vraiment trop chou. On va avoir un petit chien qui est vraiment trop cute. Lui, je le connais absolument pas. Donc du coup, après, on a Solgaleo et Lunala. Ça, c'est bon, je les sais. Mais alors, les quatre autres au milieu, n'hésite pas à mettre un commentaire justement pour me dire les noms de ces Pokémon parce que je ne les connais vraiment pas. Donc du coup, si je devais ne pas en avoir un, vu que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait au moins un double, ça serait celui-ci que je ne veux pas. Voilà. Je sais pas pourquoi mais il me tente pas spécialement. Donc toi n'hésite pas à mettre en commentaire du coup les noms des 4 Pokémon si tu les connais. Et n'hésite surtout pas du coup à me dire quel est toi le modèle que tu aimes le moins ou le modèle que tu aimes le plus dans, en tout cas par rapport à l'image. Donc du coup c'est parti, on va découvrir le premier. Donc je vais laisser le suspense au plus loin. Hop. Lequel ça peut être celui-là? Bonne question. Ça ressemble à quoi? J'en sais rien. Ah, on a le petit du coup Flamiaous. Il est vraiment trop mignon. En plus, ça brille de partout. C'est vraiment sublime. Donc du coup, la caméra rend tout juste justice, je pense, à la beauté en fait du strap. Je pensais pas que ça serait aussi beau, franchement. Je pensais pas du tout que ça serait aussi magnifique, mais franchement, il est trop beau. Donc là, je sais pas si on verra très très bien. Non. Ah, peut-être si. Nintendo, Pokémon, T-Art, ouais, Made in China, voilà. Mais il est vraiment sublime. Je vais te le laisser là. Donc du coup, on va enchaîner avec le deuxième rouge, histoire de continuer avec celui que ça ne m'étonnerait pas que ça soit un doublon. Et c'est le même, je pense. C'est le même ou c'est pas le même? C'est le même, voilà. Donc, premier doublon, ça commence mal. Donc du coup, on va enchaîner avec le bleu. J'ai bien fait de vraiment pas mettre de vernis avec sur cette main-là. Sinon, ça aurait été tout salopé. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y en a certaines couleurs, comme le noir, où on voit vraiment rien. Et d'autres, où on voit ce qu'il y a. Donc, c'est vraiment pénible, ça, par contre. Donc ça, ça ressemble auquel? C'est pas au taquin. Ça c'est sûr, c'est pas au taquin. Ça peut pas être Pikachu. Ah, j'arrive pas. Bon, tant pis. On va voir. 3, 2. Ah, le petit chien! Ah, le petit chien, il est trop mignon. J'aimerais trouver. Donc du coup vu que c'est trop compliqué à enlever au niveau du scotch, ce que je vais faire c'est d'abord tout s'ouvrir. On verra du coup ce qu'on a. Et après ceux que j'ai pas en double, je vais ouvrir ça pour les sortir du plastique. Voilà. Donc désolé aussi avec l'éclairage, hein, forcément c'est pas terrible. Donc ensuite on va continuer avec le violet. J'essaye de voir juste. Voilà, on ne voit pas, c'est tant mieux. Donc du coup celui-ci par contre je pense que... Non c'est pas Pikachu.
crois, quoi que... Non, c'est peut-être le... Comment, le Pokédex? Non, c'est pas Pokédex, c'est impossible. On va essayer de voir quand même vite fait. Donc du coup, je pense qu'on va avoir le Pokémon que je ne voulais pas. Tant pis. Hop, on va voir. 3, 2, 1. Bingo. Oh, il est pas mal au niveau couleur. En couleur, il est pas mal. Mais je confirme que je ne l'aime pas spécialement quand même. Donc désolé, je vous ai légèrement dézoomé pour être sûr en fait qu'on l'on voit assez. Parce que tout à l'heure, j'ai vu que j'étais plus dans le champ. Faut que je fasse gaffe à ça, mais bon. Voilà, hop, ensuite. Oui, donc ça par contre, c'est Brindibou, c'est obligé. On est d'accord, c'est Brindibou. Yes. Donc du coup, le petit Brindibou qui est vraiment trop mignon. On enchaîne avec la orange. Alors, on voit pas de ce côté, c'est parfait. Ça par contre, ça doit être... Ça c'est sûr, c'est pas Pikachu. Donc du coup, je pense que ça va être le petit hamster parce que vu la forme, ça peut être que lui. Bingo, il est trop mignon. Hop. Tu vois un peu mieux quand même. Hop là, après du coup, on va attaquer à la blanche. La blanche, c'est qu'on voit pas. Là, on voit pas ce que c'est, tant mieux. Donc du coup, il me reste encore 3 gachapons à ouvrir, plus celui-ci. Donc n'hésite pas aussi à me mettre en commentaire le nombre de doubles que tu penses que je vais avoir au total. Ou si je vais avoir du coup qu'un seul double avec le Flamèousse. Donc ça par contre, c'est... ça doit être dans ce sens. Ça peut être quoi? Je sais pas, bon j'abandonne. Ah, le légendaire, donc c'est Solgaleo. Il est sublime. Ensuite, du coup, on va passer à la jaune. Et la jaune, on voit rien, c'est parfait. Donc, cette fois-ci, on va avoir Pikachu. Voilà, il est juste sublime aussi. Hop. Plus que deux. Donc, on ne voit rien, c'est bon. Ça, du coup, ça va être le Pokédex. Bingo. Et donc, du coup, pour finir, le gachapon noir. Okay. Ah. Est-ce qu'on voit? On voit rien. Et ça, c'est Lunala. Voilà. Donc du coup, j'enlève tous les plastiques et je te retrouve juste après. Donc du coup, je vais te les présenter dans l'ordre du flyer. Donc celui qu'on n'a pas eu, c'est le petit Otaquin, donc qui est là, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc voilà, je suis un peu déçue, surtout que j'ai eu les deux starters, donc c'est dommage de ne pas avoir Otaquin. Et c'est parti donc avec Pikachu. Donc voilà, joli petit Pikachu. Donc par contre, au niveau de la matière, c'est vraiment quelque chose de très solide parce que... On entend vraiment que c'est quelque chose de solide. Donc on va commencer avec Pikachu. Après du... Donc on continue avec Brindibou. Et c'est dommage parce que si tu vois bien, en fait ça a été sûrement collé à la main ou je sais pas. Mais là en fait l'autocollant a été mal mis. Donc du coup ici il dépasse. Donc c'est vraiment très très dommage d'avoir un défaut sur celui-ci. Et il y en a un autre aussi qui a un défaut, j'ai vu. Donc on a du coup le petit Flamèousse que j'ai eu en double. Donc le double je vous le garde et je vous ferai gagner un peu plus tard sur la chaîne. On a du coup le fameux Pokémon ou Pokédex, je n'ai pas trop encore suivi l'affaire, donc voilà. Il est plutôt sympa celui-là. Donc on continue avec le petit Pokémon dont j'ai pas le nom du coup, donc qui ressemble un petit peu à un hamster, il est vraiment trop chou. Donc, voilà,
Bien entendu, l'arrière, à chaque fois, c'est pareil. Hein. Donc, on enchaîne avec le fameux petit chien. Donc, lui aussi, qui a un défaut, qui est collé un peu trop décalé. Donc, n'hésite pas à me mettre en commentaire si toi, tu as justement un petit chien. Est-ce que tu as comme race et l'âge, même le nom. Ça me permettrait de te connaître un peu plus. On continue du coup avec le fameux Pokémon que je ne voulais pas. Et en plus, regarde, il y a un petit défaut au niveau de l'autocollant. Il a été mal collé, donc il y a un faux pli. C'est un peu dommage, mais sinon, il est plutôt sympa. Voilà. Pas mon Pokémon préféré dans tout ça. Ensuite, du coup, Solgaleo, qui est vraiment sublime. Et le voir comme ça, je préfère en fait le voir comme ça en image plutôt que le voir sur ordinateur, parce que personnellement sinon il me tentait pas trop comme Pokémon. Mais là finalement je suis plutôt satisfaite de l'avoir. Voilà. Et on finit avec Lunala du coup, qui est juste divine. Voilà, hop. La vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas du coup à me mettre en commentaire quel est toi du coup ton Pokémon préféré dans tout ça et celui que tu aimes le moins. N'hésite pas non plus à me dire du coup si tu as un chien, ce que c'est en race et tout ça. Donc moi je possède un cocker noir anglais et c'est une femelle qui va avoir 10 ans. Et donc du coup si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce en l'air histoire de me le dire. N'hésite pas non plus à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Pense aussi à activer la fameuse cloche pour ne louper aucune information. Sur ce, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je te retrouve aussi prochainement pour une nouvelle vidéo Gachapon Pokémon. Sur ce, à bientôt.